troisième vidéo de Transistor où nous allons voir un petit peu ce qu'il y a au-delà de la berge. Road to high rise should be right around the corner. Heads up. These are two choses. Est-ce qu'on peut les avoir derrière aussi? Go time. Snapshots. C'est juste qu'elle a dormi. En fond, il montre le système solaire. Ok. Je vais essayer d'aller là-haut. Pour qu'il y ait 1027 000 îles. Ok, je peux pas aller dans cet endroit. Tout en haut, il y a un truc. You know, it's a little sparse, but this isn't that bad. It's no cloud bank, though. Ok, donc visiblement, ces portes peuvent mener à plein d'endroits. Ici, il y en a une qui a l'air d'être ouverte. Let's try door number one. Sand. Water. Un test de vitesse. Supprimer le processus 32. Get ready. Sort. C'est juste pour débloquer de la musique, les bonus stages. Maintenant, je veux savoir où est Mais elle est où la porte numéro 2? Elle n'est pas ouverte en tout cas. Ah, il y a un lecteur de musique en bas. Mais ça ne me sert pas à grand chose, je vais retourner à la banque. Et on va continuer l'histoire. Sans le combat, je vais pouvoir remettre la brèche. Donc, bounce, décharge, un éclair déflecteur qui ricoche d'une cible à l'autre. En fait,
Bah, ce pouvoir-là, il est bien mieux. Je vais mettre ça, et voilà, je l'installe, et je vais utiliser ça. Un limiteur, appuyez sur pour utiliser le limiteur. Le limiteur renforce le process. Il faut neutraliser le process général des cellules protégées par un bouclier. Limiteur en cours d'utilisation, bonus, blabla. J'active un limiteur et je veux que ça là ce soit rajouté ici, comme ça augmente la portée et la portée du rebond. Installation impossible, mémoire pleine, d'accord, donc il y a la jauge de mémoire ici à gérer. Si je retire ça, ça devrait me faire assez de place pour utiliser ça ici. Voilà. Comme j'utilise quasi pas la technique de copie, ça devrait être utile. Et maintenant que j'y pense, l'évasion, je l'utilise pas non plus, donc je vais la garder. Et je vais me servir de cette copie pour l'installer ailleurs. Je peux pas l'installer là. Non, je vais l'installer là. Chance de destruction des cellules 50%. Allez, vas-y, hop. Voilà, comme ça, je me garde trois techniques. Ouais, ça me paraît pas mal. They can do their work. Ouais, je parais sans finir. D'accord, ok, j'ai compris. Donc on passe derrière, attaque sournoise. Et on l'attaque avant qu'il se régénère. D'abord.
Eh bien, activons-nous si c'est ce que tu veux. High-rise is dead ahead. Across the canals. Dans ce cas, allons dans les canaux. Much nicer last time we were here. C'est quoi ça là-bas? Get up. Je joue ça. Alors, celui-là a été mis à niveau, maintenant il a un rayon de rétablissement plus élevé. En plus, il encaisse mieux. Je vais donc devoir choisir un truc à prendre. Donc switch modifie l'allégeance d'une cible, elle sert à l'utilisateur, ou alors intègre une sous-routine de modification d'allégeance à la plupart des fonctions. Ou alors un masque qui dissimule l'enveloppe physique de l'utilisateur en amplifiant sa prochaine action. Ou alors augmente la puissance de la plupart des fonctions lors d'une attaque sournoise. Ça me plaît bien parce que je fais pas mal d'attaques sournoises. Donc je vais faire ça. Voilà. Et en plus de ça, j'ai la possibilité d'ouvrir l'emplacement passif 1 pour une utilisation avec n'importe quelle fonction. Et en plus de ça, j'ai le choix entre... c'est les limiteurs. Bonus niveau utilisateur 2 ou 4%. Alors j'ai choix entre abondance qui, une fois neutralisé, le process générera parfois des cellules jumelles ou le process frappera deux fois plus fort. Ouais, mais le process c'est pas l'ennemi. Les cellules, j'ai pas trouvé à quoi me servait, donc j'ai plutôt utilisé l'autre pour frapper deux fois plus fort. Voilà, donc je vais utiliser. J'ai vu qu'il y avait un activateur par là. Ici. Un point d'accès. Donc je veux utiliser. Alors déjà les niveaux limiteurs, je vais rajouter celui-là.
de l'émetteur à réutilisation, le procès sera frappé deux fois plus fort et une fois neutralisé, le procès génère des cellules protégées par un bouclier. Ah mais c'est moi qui rajoute ça, mais pourquoi je fais ça? Elle se dégrade et bien comme n'importe quoi qui se dégrade, sauf qu'au lieu de se détériorer, elle devient quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'a pas l'air de vouloir devenir. Mais qu'est-ce que ça m'apporte moi de créer ça? Limiteur de process. Bonus niveau utilisateur. D'accord, c'est pour augmenter mon bonus de niveau. Process frappera deux fois plus fort qu'avant. Bah, je vais essayer, on verra bien. Par contre, j'aimerais bien utiliser ça. Nouvel emplacement passif disponible. On va le mettre là. Ça, ça marche sur tout le monde. C'est parfait. Good as new. Terminal's fine still. Hard-hitting pull. Un solstice trimestriel en sélectionnant la couleur de costume favorite. Moi, je préfère l'orange. Orange. Okay. Now then. Back to the scene. C'était en bas, il me semble, avant que le mur invisible ne m'empêche de passer. Guess who? Super dangereux les bonus limiteurs quand même. Hein. Là, le fait qu'il fasse plus mal deux fois plus mal, peut-être pas dû prendre celui-là en fait. Ouais, j'ai pas besoin des bonus de limiteurs, hein. Je trouve ça trop dangereux. Je vais rester tel quel. Yikes. They got more friends. Run. Du monde là-haut. Ouais, just justement, run. Je me made it.
was 50 of them back there. Maybe more. Bâti une maison jusqu'à High Rise. Red, have a look out there. Toward High Rise. Traverson Hall. The annex building. They're not there anymore. Half the skyline's disappeared. Whatever's after us, it's spreading. The Camerata. They'd rip this whole town apart. To get us. Or to get away. Pourquoi elle nous voit à ce point, la Camerata? Is that sandbox? Ouais, ça m'intéresse pas d'aller dans la porte dérobée. Débloquer des musiques, c'est pas mon trip. Time to dance. Ouais, c'est I'm dug in their heels this time. Très bien, les protecteurs sont mis à niveau maintenant. Ils sont plus difficiles à buter. D'abord m'occuper d'eux. Et si je fais ça? L'imiteur ça peut être bien pour monter plus vite, mais là pour l'instant 6% je trouve que c'est vraiment peu cher payé pour la difficulté que ça apporte. Bon, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit ici, ça me va très bien. J'avance. Direction du ferry. Coast is clear. On voit ici à mon avis l'ennemi à abattre. Alors, Traverson Hall a disparu. L'administration se démène pour expliquer la disparition soudaine du patrimoine de High Rise. Périmètre de 100 pâtés de maison autour de la structure a été déclaré déconnecté en attente d'investigation. Petite rebelle. Used to be how many good drinking joints here. Caddies. Seaside. Cloud Alley. Encore un nouvel ennemi du niveau 2. Un peu plus dangereux. Gaffe à pas perdre de vie.
débarrasser de lui parce que c'est le seul qui est vraiment dangereux dans le groupe. Should be able to get him through here. Ok, on y va. Hope this works. Next stop, high rise. Something's wrong. Get ready. Et ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et la prochaine, on va scruter un petit peu High Rise pour voir un peu ce qui peut s'y trouver. Et je pense qu'on va y trouver un général. Salut à tous!